Bonjour, voici une petite présentation des Romulés de notre région. Ce sont de petites iridacées qui méritent le détour et l'attention pour les dénicher à même le sol. Donc tout d'abord, la Romulée de Colonna, Romulea columnae. Que l'on voit ici avec un fruit en développement, la petite massue qu'on voit en bas. Donc cette Romulée est la plus fréquente chez nous, c'est aussi la plus petite. Sa fleur reste le plus souvent à ras de terre ou portée par un petit pédoncule. Et parmi les critères de détermination, on peut noter la présence d'une bractée supérieure plutôt herbacée. On note sa couleur verdâtre. Ses feuilles, plutôt courtes, elles font moins de 15 cm, sont un peu aplaties, surtout vers leur base, comme on peut le voir ici. Alors, un petit résumé. La Romulée suivante est la Romulée de Rolly. Elle est plus grêle, plus élancée que la Romulée de Colonna, et elle est portée par un long pédoncule, souvent dressé. Elle possède aussi de longues feuilles filiformes, quasiment cylindriques. Ses tépales sont aussi plus étroits et très allongés, et même souvent il lui reste dressé. Enfin, la bractée supérieure est membraneuse. Après ces deux remulées à fleurs blanches, on va passer à celles qui ont des fleurs lilas à violacées. D'abord avec la remulée ramifiée, Romulea ramiflora, qui est assez proche de la remulée de Columnée, mais un peu plus grande. Elle se caractérise par ses tépales lilas et une gorge interne jaunâtre qui est bien délimitée par une couronne. Et ses bractées sont herbacées. Voilà pour les trois espèces présentes dans le département des Alpes-Maritimes. Mais il est difficile de ne pas mentionner la Romulée d'Arnaud, endémique du Cap de Saint-Tropez, où elle est presque abondante. Bien plus grande et colorée que les précédentes espèces, les fleurs ont une gorge entièrement violacée. Toujours dans le Var, il existe deux autres espèces beaucoup plus rares. La Romulée de l'Assomption, qui est une sorte de Romulée de Colonna, mais avec un pédoncule très long. Et la Romulée de Florent, qui elle se rapproche plus de la Romulée d'Arnaud. J'espère que cette présentation vous aura plu et peut-être rendez-vous pour une prochaine. À bientôt!